Il y a une sœur qui était en train de prier. Pourquoi tata moi quoi naomba? Il y a un pasteur qui prêchait. Na mutumishi moi quoi naubiri. Un message puissant. U mutumbe moi ya uwezo. Le pasteur a constaté qu'il y avait une sœur qui pleurait. Na mchungaji anatambua kuku tata moi quoi nalia. Le pasteur a dit ah, je l'ai eu. Mutumishi anasema pale na mupata. Elle pleurait. Alilia, alilia. À la fin le pasteur a fait un appel. Mwisho mtumishi anafanya mwito. Ceux qui veulent répondre à l'appel. Benye banapenda kujibia hiyo mwito. Changer leur vie peuvent venir. Banapenda ubadilisha maisha au banesi karibia. Elle était la première, elle est venue. Alikuwa wa kwanza ka karibia. Vous savez comme dans le monde anglophone c'est on tient même la sœur elle dit it's okay, it's okay. Na pale banaza mbemesha c'est ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Acha kuri. Anaria, elle gémissait, elle gémissait. Ça va, ça va. Après, le pasteur lui pose la question. Il s'est mchungaji akamupika swali. Et pourquoi tu as beaucoup pleuré? Jani unalia nguvu hivi? Pasteur. Pasteur. Mais na sortira dans la bwana mu. Je sors avec le mari d'autrui. Pasteur dit ah. Mutumisha na semuzuri. Maintenant tu peux arrêter avec ce mari, Dieu va te bénir. Et tu n'es quoi tiana kona ule bwana na Mungu atakubariki. Ah pasteur, mais tu vas vivre Dieu. Il dit et comment est-ce que je vais vivre pasteur? Pasteur c'est là. Et toi, le pasteur dit allez, je te chasse, va-t'en, va chez vous. Est-ce qu'on t'a dit ici à la morgue? Beaucoup de gens pleurent, mais sont incapables de prendre des décisions.